j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tuto tricot. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un tuto tricot que je ne vous avais pas encore partagé ni même parlé. Mais le voici, c'est le bébé croûte. Donc, comment le réaliser? Je vous explique tout pas à pas comment le réaliser. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut pour le soutien. Sur ce, je vous laisse regarder. Bonne vidéo! Dans ce tuto, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3,5 mm. Je les ai positionnées ainsi, mais je vais tricoter en aller-retour. Je me suis équipée d'une aiguille à laine pour réaliser les coutures. Niveau pelote, j'ai utilisé celle-ci de chez Bergère de France, donc c'est la gamme initiale. Elle est suggérée d'être tricotée en aiguille numéro 3 mm. Alors pour la composition, 48% coton recyclé, 47% polyester recyclé, et 5% de fibres diverses. Pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 27 mailles sur 34 rangs. Moins d'une pelote, ça suffit largement pour réaliser un petit bébé croûte. Je me suis aussi équipée d'un petit pot, il fait 5 cm de diamètre. Je n'ai pas su trouver un petit pot blanc, mais par la suite, je le peindrai. Des yeux de sécurité. Alors ici, ils font 6 mm de diamètre. Alors ici, ils sont tout noirs, mais comme le petit croûte a les yeux marrons, je peindrai tout le contour en marron, tout simplement. Et donc là, avec, il y a les fermoirs de sécurité. J'ai aussi pris de la ouate pour faire le rembourrage, mais vous pouvez prendre du coton, de la laine ou toute autre chose pour effectuer le rembourrage. Il n'y a pas de souci, moi j'ai de la ouate, je prendrai de la ouate. Et puis bien entendu, du fil de fer pour pouvoir vraiment ajuster le croûte et prendre la forme que l'on souhaite. Alors celui-ci fait 2 mm de diamètre. Voilà, autant vous dire, c'est vraiment tout petit, mais c'est nickel pour le faire glisser dans les bras. On va commencer, on va monter 16 mailles. Après avoir monté vos mailles, on va tricoter en jersey pendant 9 cm. C'est-à-dire que sur tous les rangs endroit, on tricotera toutes les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs envers, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Alors, je vais m'avancer pour atteindre mes 9 cm et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai tricoté jusqu'à obtenir 9 cm. Donc là, on va commencer à faire des augmentations sur les deux mailles centrales. Donc on va faire des augmentations sur le rang 1, 3, 5, 7, 9. Alors pour le rang 1, on va tricoter 7 mailles en droit. On va faire deux augmentations. Donc on pique, on passe le fil, on recule l'aiguille droite. Hop, et à ce niveau-là, on repasse à nouveau le fil et on sort l'aiguille droite de l'aiguille gauche. On repasse le fil de l'autre côté pour tricoter à l'endroit. Et là, on a deux mailles. Donc, on refait pareil sur la maille suivante. Et on repasse le fil. On tricote les mailles suivantes à l'endroit. Voilà, donc là on se retrouve sur le deuxième rang. Donc sur les rangs 2, 4, 6, 8 et 10, on tricote toutes les mailles à l'envers. On se retrouve pour le troisième rang. Donc là on va tricoter 8 mailles à l'endroit. On va faire deux augmentations, donc on pique, on passe le fil et là avant de sortir l'aiguille, on repasse à nouveau le fil et on sort l'aiguille droite de l'aiguille gauche et on repasse le fil de l'autre côté. On pique, on fait comme si on l'a tricoté, mais avant de la faire sortir, on repasse à nouveau le fil et on sort l'aiguille droite de l'aiguille gauche et on tricote les 8 mailles suivantes.
Pour le rang numéro 5, on va tricoter 9 mailles à l'endroit. Et on va tricoter deux fois les deux mailles centrales pour réaliser deux augmentations. Voilà, et on va tricoter les 9 mailles suivantes à l'endroit. Pour le rang numéro 7, on va tricoter 10 mailles à l'endroit. On va faire les augmentations sur les deux mailles centrales. Et on va tricoter les mailles suivantes à l'endroit. On se retrouve pour le rang numéro 9. On va tricoter 11 mailles à l'endroit. On tricote les deux mailles centrales deux fois pour réaliser l'augmentation. Et on va tricoter les 11 dernières mailles à l'endroit. Voilà, donc on se retrouve pour le 11e rang. On va rabattre nos 26 mailles souplement. Voilà, je viens de couper mon fil. Donc là, on va passer le fil dans la dernière maille. Pour réaliser les bras, je prends donc mon petit tricotin et je vais tricoter pendant 7 cm de longueur. Donc deux fois pour ces deux bras. Si le bras est trop long, vous détricotez jusqu'à obtenir donc les 7 cm pour réaliser les deux bras. Une fois avoir obtenu les 7 cm, il ne reste plus qu'à glisser le fil dans les 4 mailles. La première là où il y a le fil. Et on continue sur les 3 autres. Pour réaliser ici le haut de la tête, pour réaliser la couture, alors j'ai piqué donc de la pointe vers la pointe de l'autre côté. Voilà. Mais après, je vais vraiment rejoindre quelques mailles comme ceci, de façon à obtenir plus ou moins un triangle. Pour réaliser la couture, comme à mon habitude, je vais coudre de l'intérieur vers l'extérieur, de maille à maille tout le long, puis serrer. Pour vous montrer un petit peu comment je procède. Si vous avez votre technique, par contre, allez-y. Je vous montre juste la mienne, si celle-ci peut vous aider. Voilà, donc je vais continuer ainsi tout le long jusqu'au bas,
puis après je rentrerai mon fil. Pour la tête ici, donc une fois que ça sera tout fermé, on va laisser le fil de côté pour réaliser vraiment des petites bosses. Pour réaliser les petites bosses, tout simplement, hop, je récupère mon fil et on va repasser toujours dans les mêmes mailles jusqu'à avoir un peu comme de grosses racines en haut de la tête, comme des grosses rasta. Hop, voyez, deux mailles, admettons, je prends et je repasse plusieurs fois jusqu'à obtenir la grosseur souhaitée. Puis je descends un petit peu et je repasse à nouveau plusieurs fois dans les mailles. Je vais réaliser des petites rasta un peu partout en fait sur la tête, mais le principe restera le même. Je repasserai plusieurs fois dans les mêmes mailles. Voilà, rien de particulier pour mes petites rasta. Voilà, et puis après quand la grosseur vous convient, vous rentrez le fil. Alors le mieux c'est de rentrer les fils et de faire donc ces rasta une fois après avoir fait la couture. Comme ça au moins vous avez une meilleure idée après avoir mis un petit peu de rembourrage pour avoir plus ou moins où déposer les rasta. Voilà, donc je vais continuer moi de mon côté pour la couture et je m'avancerai aussi pour les petites rasta. Voilà, donc après avoir fait le rembourrage, avoir mis les yeux, la petite bouche. Alors pour la petite bouche, j'ai pris du fil noir et pareil, j'ai brodé dessus, dessous, de façon à ce que avoir plus ou moins le rendu que je veux. Vous pouvez soit faire la bouche neutre, soit faire un grand sourire ou soit juste un petit sourire, comme vous voulez. J'ai rajouté donc par-dessus mes petites rasta du fil vert. Alors tout simplement, j'ai pris le fil vert et j'ai cousu pareil, donc en repassant plusieurs fois sur les mêmes mailles. Donc c'est pour ça que ça m'a fait des petits poupoutes là, pour obtenir plus ou moins le rendu d'une feuille. Voilà, et là, en fin de compte, j'ai juste cousu tout autour, juste une partie. Donc j'ai pas encore rentré mon fil pour la bouche parce que le rendu me convient pas tout à fait, je vais faire plusieurs tests. Voilà, bon, ça c'est mon souci à moi. Une fois que de toute façon vous avez rentré les fils, une fois que vous avez fait votre couture, vous rentrez le fil directement à l'intérieur, vous traversez le croûte et vous coupez le fil de façon à laisser le fil à l'intérieur avec la ouate et les fils de fer, c'est pas bien grave. Donc voilà un petit peu le contour avec le fil vert ici. Et ici, j'ai fait un petit peu en arrondi pour avoir un effet un petit peu tortueux. Pour fermer ici, j'ai tout simplement récupéré du fil et j'ai piqué de maille en maille comme ça tout autour. Hop. Ensuite, pas dans ce sens-là. Voilà, hop. Et j'ai piqué comme ceci. Alors d'un côté ou de l'autre, vous tournez comme vous voulez. Et vous piquez de maille en maille tout le long. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous serrez. Et ici, j'ai repiqué de l'autre côté à l'opposé pour vraiment le fermer
et qu'il n'y ait pas de la ouate qui se carapate. Voilà. Et là, pareil, je vais glisser donc hop, à l'intérieur, ressortir ici et refermer pour pas que la ouate ici aussi se carapate. Alors par contre ici, moi je vais faire un double nœud sur le fil. Voilà, j'ai fait plus de nœuds que prévu, mais au moins je suis sûre. Et ici, je vais le glisser à l'intérieur, le faire traverser. Voilà, le nœud est passé et j'ai plus qu'à couper mon fil. Bon, ben voilà, mon croûte est terminé. Donc au niveau des bras, je peux lui faire prendre la forme que je veux. J'ai donc peint son petit pot en blanc cassé, hein, puisque c'est pas vraiment du blanc, pour pouvoir lui mettre directement dans son petit pot. Voilà. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour réaliser le petit croûte, j'ai vraiment réalisé au niveau des bras, ici, ici, des deux côtés, tac et tac. Les fils de fer, je n'en ai vraiment pas mis dans le corps, puisque pour moi ça ne servait à rien. Et puis comme ça, au moins, je peux vraiment le faire torsader, le fil dans le fil. Les deux s'entremêlent, en fin de compte, dans le corps. Donc, je trouve ça super sympa. Quant aux bras, eh bien, ils sont articulables. Je ne sais pas trop si ça se dit, hein. Mais on peut articuler les bras comme on le veut. Et puis voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même modulable avec la ouate. Donc, on peut vraiment l'adapter comme on veut. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire, à me donner votre avis. Et puis, si toutefois vous le réalisez, je serai curieuse de découvrir votre petit bébé croûte. Sur ce, on vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!